Eh bien, re tout le monde, on se retrouve pour le test de The Giant. Je suis en compagnie de Dark Funeral et de Bloody, comme d'habitude, comme depuis deux vidéos déjà. Est-ce que vous êtes prêts, les potes? On balance? On balance, balance. Allez, balance, toi. Juste avant, le petit briefing, c'est très important parce qu'on sait qu'on va jamais arriver jusqu'à la fin de cette map. Merci. Briefing. Réveiller le géant, retourner au complexe secret où tout a commencé, c'est-à-dire que c'est la map de World at War, et frapper au cœur du fléau zombie. Alors les gars, je vous confirme, c'est Dare Rise ou je sais pas quoi là. Je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est ça. Dare Rise. Non, je ne sais pas exactement. Ouais, c'est bien Dare Rise. C'est de l'allemand, monsieur B-Boy. Oui, mais bon, t'es là, t'as cru que j'étais allemand, frère. Ça va, pas parce que monsieur a monté le 6ème Reich que, bon, on doit tous parler dans sa langue. Donc, c'est trop bien, c'est ça. Et oui, c'est merci la meilleure Fufu. Map of the world. Merci Fufu d'avoir reconnu la map que je disais. Der Reis. Oui, mais là que je vois l'image, je suis encore plus content. Der Reis. Der Reis. Et donc, il y a 4 joueurs maximum sur Der Reis. Qui s'appelle The Giant. Ils l'ont renommé The Giant. Ah. Donc on doit réveiller un géant, les gars. Alors, on je sera sais avec pas, Boss Treffer Arbar. Boss Treffer Der Reis. Et pourquoi il est niveau 3, les gars. Il est peut-être chaud. Il est peut-être chaud. Bah, je suis niveau 3 aussi. En fait, si tu veux, là, on retourne là où tout a commencé. Et là où tout finira. Et là où tout finira, peut-être, monsieur Funeral. Est-ce, peut-être. Est-ce qu'on va voir Richthofen? Richthofen, le professeur? Ya. Yeah. Je n'en ai aucune idée, j'ai dit ça au hasard. Parce que forcément, si tu t'appelles Richthofen, t'es forcément un mec professeur, qui est professeur ou un docteur en Allemagne depuis 45 ans. Non mais, vu c'est ça, quand il parle d'un truc, on dirait il est dans X-Men. Est-ce que quelqu'un a vu Professeur Xavier par hasard? Parce que bon... On est donc parti, on est donc, je dirais même, reparti en Allemagne, près de Breslau. Breslau, comment on dit en allemand, ça se prononce? Enfin, tu mets un accent, il n'y a pas d'accent, on s'en bat les couilles. Je sais pas, j'aurais dit Breslau pour le T'aurais coup. T'aurais dit Breslau? Ouais. D'accord, bon, monsieur aurait dit Breslau, sachant que Fufu a quand même vécu en Allemagne 14 ans, ce n'est pas négligeable. Il est d'ailleurs né là-bas, hein, parce que les gens ne savent pas, ils sont là, non, Fufu, Martiniquais, non, il est né, là, il parlait allemand, voilà. Après, il a perdu cette langue. Bon, bref, ouais. On arrête les conneries. Je sais juste dire Der Hund en allemand. Der Hund, qui veut dire le chien. Le chien, voilà. Et dès qu'on est dans le Hund des chiens, on fait ah Der Hund, Der Hund voilà. Der Hund partout. Der Hund partout. C'est un petit peu de merde. Alors, attends, gros, là. Eh, ce pistolet, il est tellement mieux. C'est qui jette? On est d'accord que les grenades ennemies. Voilà, ça n'a aucun impact sur soi. Encore heureux. Donc, nous sommes avec deux inconnus. Bloody nous a quittés. Parce que là, vous devez vous dire, mais attends, Bloody, il était là tout à l'heure. Le mec, il est reparti. Il nous a quitté parce qu'il a eu une déconnexion et impossible de se reconnecter, c'est un petit peu la merde, je vous l'avouerai. Oh, par contre, c'est le feu, l'assistance, l'aide à la mise enlevée là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est beaucoup mieux? Ah ouais. En fait, quand je vise, ça aligne directement mon viseur sur le zombie, normal, mais quand je vise pas, bah, ça l'aligne pas sur le zombie. Oui, il y avait même cette technique que j'utilisais dans Black Ops 1 pour viser direct la tête. Tu visais des visées, ouais. Ouais, bah, tu là, visais des visées à chaque fois et ça. Vous faisiez comme ça et ça faisait clac, clac, clac sur tous les zombies directs. Et vous vous disiez, ah voilà, une tête à chaque fois. Une d'ailleurs, j'aime comme beaucoup ça. Le HUD en bas à droite, l'espèce de machin électrique. Donc le sacré punch qui est toujours au milieu. Le sacré punch, ouais. C'est ce qui permettait de changer l'arme, ça. Ouais, de la rendre more powerful. Ah, j'ai plus de balles. Bon, les gars, on va négocier. Ah, très bien, j'ai des balles, merci. Mais de rien. T'as demandé, j'ai servi. Ah putain, les coups de couteau passent beaucoup moins à travers le. Les rambards, j'ai l'impression, je sais pas si t'as remarqué. Donc, j'espère que vous avez calculé que la map c'était Der. Der Rise, c'est ça, parce que j'ai pas envie de passer pour un con avec Fufu. Der Rise. Der Rise, voilà. Rise. Donc, j'ai. Der Rise, ça va, voilà. Vous me prenez pour un con non plus, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Il est con celui-là. Donc, j'espère que vous avez remarqué que c'était une map donc de World at War qui a été sur Black Ops. Il me semble qu'elle avait été refaite sur Black Ops, c'est bien ça? Elle avait été refaite en fait sur le bug, fallait acheter l'édition avec la grosse map là. Et ben voilà, 5 pour 1, tuer 5 zombies avec une grenade, 2000 XP. Et d'ailleurs, ça c'était relou ça. Deux. Bah, si t'avais pas l'édition collector Ardennes à l'époque, t'avais pas les anciennes maps de Call of. Exactement. Fallait attendre le pack Moon. Oui, parce qu'à la fin, ils ont remis toutes les cartes, les anciennes cartes, dans un seul package, et c'était 15 balles. Mais ça valait le coup pour les fans de zombies, dont nous, et donc on a un stabuy direct, hein, ça je m'en souviens. Faites gaffe aux grenades, par contre. Un petit x2 là qui fait plaisir. GG, ça fait vraiment plaisir, ça par contre. Allez-y au pistolet, hein, ça fait plus de points et ça tue moins la base. Et va falloir peut-être penser à ouvrir, les gars. Je veux pas faire le crevard, mais qui a le plus de monnaie ici?
Ça va être moi, toi, ça encore. Ça va être. Ouais, c'est toi. Ouais, c'est mais toi, je crois que c'est pas terrible que j'ouvre la première fois parce que c'est la moins chère en fait. Ah oui, donc tu veux que je. Bah attends, je vais l'ouvrir. Non, ce qu'il faut, c'est que le deuxième qui a plus d'argent, il ouvre. Et le celui qui a plus d'argent, il ouvre l'autre porte. Ouais, mais là, malheureusement, on est avec des total random. Les mecs, ils vont faire leur gros crevard, gros. Allez, c'est cadeau ça. Prenez ça, ceci est mon sang. D'accord, c'est bon, je peux mourir. Voilà. T'es mort ? Hop, bah écoute, je vais venir, je mets juste là en bas et je suis à toi. Viens vers moi. Ah d'accord, vous êtes devant, les gars. Pourtant, c'est pas plus dur, hein. Ça a pas l'air plus dur, ce... Bah non, mais... J'essaie de prendre la bombe, là. Alors, vas-y, dis-moi où ouvrir. Oh putain, l'autre, il va nous saouler, là. Dis-moi, c'est où ? Et j'ouvre, je m'en fous. Bah, la porte qui est là, bah d'ailleurs, c'est moi qui ai le moins de thunes, vu que je suis tombé. T'es où, toi ? Ah, les chiens, là, mange des chiens. Dis-moi qu'à ouvrir, dis-moi qu'à ouvrir. Bah attends, déjà on va faire la manche des hinches. Ah, c'était cette porte, d'accord. Allez hop, au moins c'est fait. Bah les couilles. Oh ! Petit pompe, non ? Non, non, pas. Voilà le pompe pour les chiens. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'ils remettent l'ancienne map. Derrière. Oh putain, mais gamin, les anciennes armes. Est-ce qu'ils ont refait ? Ils ont refait les chiens ? Ouais. Bah oui, bah. Gros, c'est même plus refait ! Y'a un chien, il nous tue tous ! Je vais mourir. Mais le chien nous a tous tués, les gars ! Ouais, j'avoue. C'était quoi ce fuck ? C'était quoi ce fuck ? On a ouvert la porte trop tard. Bah c'est pas grave, on va relancer de suite, pas de panique. Mais c'est pas qu'on l'a ouvert trop tard ou pas, c'est que le chien, j'étais pas prêt, gros. J'arrive, je me dis, bon, y'a un chien, je fonce dessus avec mon pompe, une cartouche. Je me dis, bon, j'ai peut-être visé à côté, je sais pas, y'a eu quelque chose. Deux cartouches, je me dis, les chiens, c'est plus ce que c'était, tu vois. Et ouais, là, pour le coup, j'étais choqué dessus. Bon, alors cette petite cinématique, on comprend vraiment pas l'utilité. Un jour, gros, ils vont te mettre un screamer après une mise à jour, tu vas être choqué à vie, tu en joueras plus jamais aux zombies de Call of Duty. J'ai quand même l'impression qu'ils l'ont rendu bien plus dur, ce mode zombie. Ouais, bah après, il y a le côté découverte aussi. Oui, il y a le côté découverte. Et exactement. Sinon, le compte à rebours de 30 minutes, là. Non, mais il y a le côté, on a perdu l'habitude. Avant, on s'amusait à faire tourner les zombies pendant 4 heures. Ah, bah franchement, c'est sûr que tu me remets sur un Kino. Kino d'Air Totten. D'Air Totten. Kino d'Air Totten, en effet. Voilà, Kino d'Air Totten. Tu vois, je commence à apprendre. Apprenez l'anglais avec Funeral. N'hésitez pas à aller sur YouTube. L'allemand. On peut faire mieux. Je crois que c'est avec l'accent. Après, je suis pas sûr. C'est Kino d'Air Totten. Oh là là. Non, mais le mec, il est carré. Apprenez le japonais avec Funeral. Il fait partie de la Kotsuki. Oh, Kotsuki. Ça te va là ? Oyo gozaimasu. Watashi no namae wa Marumin desu. Waouh. Cet homme est. J'ai appris cette phrase pour présenter à un mec que j'admire en japonais. Voilà. Bon, une machine. Alors, moi j'ai cette fenêtre, chacun une fenêtre, les gars, et puis on va voir ce que ça donne. Attends, Lil Robbie, il joue pas ? C'est une blague ou quoi ? J'ai pas acheté. Lil Robbie, il fait quoi là ? Il est en train de faire un petit son là, au calme là ? Lil Robbie là, ouais, grave. Robbie William, il va se calmer. Bouge ton boule, Lil Wayne là, allez, main de ton cul. Wake me up. Ah, c'est bon, il s'est mis à bouger là, gros, il était perché le bordel. Ok, hop, on va prendre ça, ce sera ça le prix. Il passait le casting de The Voice. D'ailleurs, moi j'ai hâte de débloquer le stack track, moi. Ah oui, alors il faut savoir, une des nouveautés dans Black Ops, quand t'es prestige 2, donc quand tu passes la première fois le prestige, et que t'es donc, parce que tu commences prestige... Non, tu commences pas prestige 1 en plus. Non, ah non, prestige tu commences 0, pas prestige 1. Prestige 1 prestige voilà, 2. Donc quand t'es prestige 2, tu déverrouilles un stat track, pour ceux qui sont pro de counter, où il y a le nombre de kills fait avec cette arme sur l'arme, et ça c'est énorme. Un compteur de kills tout simplement, que n'importe qui peut voir sur ton arme, c'est plutôt cool. Et ça incite à la compétition un petit peu, hein, à faire toujours mieux. Bon, par contre, concernant le seul zombie que j'ai vu, moi aussi, il m'a mis à 80$. Ah, très bien, il y en a un autre. Bon, il est là. Bon, la tête, la base. Ah, je vais monter à 200. Là, parce que j'ai acheté une arme dès le début, malheureusement, ça m'a un peu ruiné. Ah oui, je me disais, comment t'as fait pour avoir 200 balles ? Oh là, enfin, gros, là, là les zombies sont rattrapés, les mettent dans la porte. J'ai déjà du sang sur les mains. Est-ce que ça fait de moi un criminel ? Non, ce n'est pas une bonne idée, ça, ce que désolé. Vous avez fait. C'est en que moi, temps. C'est pas grave, ça donne de l'argent à tout le monde. C'est le plaisir familial. C'est vraiment parce que tu sais, toi, Fufu. En vrai, je n'aurais pas pardonné cet affront. J'avoue que là, pour le coup, c'est de ma faute. Alors, les gars, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Il y a quoi ? Ah oui, le modificateur d'armes. Est-ce qu'il y a toujours la téléportation ? Ah ouais ! Ouais, ça n'a pas changé, vous devez allumer le courant. Donc, courant là-haut, courant là-haut. En tout cas, cette porte, il ne faut jamais l'ouvrir, celle-là. Là. Laquelle ? Celle-là. Ouais, mais bon, oublie pas qu'on est 4, il y a donc 4 fois plus de... Enfin, il y a plus de zombies, la base, et... Ouais, mais normalement, on n'a pas besoin de l'ouvrir, celle-là. Vraiment, 4 d'urgence, on l'ouvre, mais normalement... Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut tourner à 4, hein, ça change pas. Mais, ouais, il y a pas mal de zombards... GG, ça c'est bon, coup de couteau, les gars, coup de couteau. Bah, pas de problème, on chauffe des bombes, des morts instantanées. En gros, c'est qui met des patates, là, sans aucun... C'est moi.
Ah d'accord. Bah quand parce tu vas sur ma porte, tu rebâtis mes trucs. Charpentier de père en fils. Non mais c'est parce que attends, je t'ai laissé tous les zombies. Oh, tu peux bien me laisser remettre des planches, frère. Oublie pas que je les ai fait avec amour ces planches là. Ah, putain, y a... C'est qui j'envoie des grenades là? Et je sais pas gros, je reçois des... Gros, je reçois le destin partout là. Tu te souviens du jeu de société destin d'ailleurs? Merde, y'a un connard, il a ouvert là où j'ai dit qu'il fallait pas ouvrir. Ouais, fallait qu'il ouvre le mauvais truc. Oh, remarque, on peut le faire en sens inverse, ça peut le faire quand même. Ouais, mais bof, parce que de l'autre côté t'avais le courant et tout quoi. Ah ouais, c'est vrai, j'ai envie de l'insulter d'un coup maintenant. Alors que là, c'est beaucoup plus long, cette casse-couille et tout. D'ailleurs, la boîte, elle est au niveau du courant. Ah putain, bah ouais. Bah vas-y, tu sais quoi, on ouvre de l'autre côté, bah les couilles. Ah très bien, j'ai déjà crevé, gros. Moi aussi, ça commence là. What the? Il y a du people. Hein. Une douche de sang de damné. Oh, je reçois 12 000 greux. C'est le bordel, hey, c'est le bordel, frère. Tout le monde a acheté sa grenade là, x4. Attends, ça touche pas en fufu, toi. C'est pas fufu. Tu pouvais le toucher. Bon, c'est pas grave. Vas-y, écoute, nous on fait notre chemin habituel, fufu. Dis-moi où tu veux qu'on ouvre. Bah, parce que là, ouvert ça va par être là, les chiens. Le célèbre retour. Tu veux qu'on ouvre où? On va continuer de l'autre côté, c'est déjà ouvert. T'es sûr, tu veux pas ouvrir là? Ouais, allez. Allez, vas-y, viens. Parce que l'autre connard là qui a ouvert derrière. Tiens, j'ai ouvert, vas-y. Là, y'a un pont, écoute ton cœur. Non, prends-le pas. T'es sûr? Trop tard. Alors? Prends celle-là plutôt, c'est quoi? La VMP. Oh putain, gros, tu vas avoir le chien, tu vas être choqué à vie. Viens, on se met dans le coin là. Ton corps est prêt ou quoi? Viens, là. On se met dans le coin. Gros, il va arriver, il va nous soulever. Non, j'ai un VMP, gros. Allez, chiens, ils sont chez eux. Ouais, c'est quoi? T'as entendu la voix là qui a parlé dans ton oreille? Oh mon dieu! T'entends pas les voix dans ton oreille? J'entends une voix, mon gars, je suis chat à l'oreille. Ouais, j'ai entendu la voix, mais là il est explosé. Gros, c'est lui. C'est quoi ce son? Ce bruit? Il est là, il apparaît dans la machine. Mais en fait, non, il y a plein de chiens, mais comment un chien a pu nous tuer, je comprends pas. Non, c'était pas un chien, c'était trois, moi. Enfin, moi, quand je suis mort, j'étais trois. Ah, d'accord, bah, moi, il était tout seul, il nous a arraché. Alors. Voilà, c'est quoi ça? Oh putain, mais il sort des fours, mais c'est dégueulasse! Mon dieu! Mec! Oh, il sort des fours! On est chez les nazis, hein, ne l'oublie pas. Regarde! D'ailleurs, il y avait un secret, il fallait que tu mettes une bombe singe là-dedans. Ah ouais? Sérieux? Je sais même pas, tu vois. Ouais. Alors, dis-moi où on ouvre maintenant. Là-haut. Putain, je t'ai sauvé la vie, Jean-Paul. Ici, là, faut voir là. Les gars, faut m'aider. Oh shit. C'est quoi cette électricité? Il y a du courant par terre. C'est les chiens quand ils apparaissent. Ah ouais, putain, j'ai eu peur. Là, ok, GG. Là. Vas-y, ouvre, écoute ton cœur. C'est qui le bleu? Allez, go. Ouvre. Go. Voilà, putain, mais gros, j'ai cru qu'il allait jamais le faire. Ensuite, et là, là. Tu descends et t'allumes le courant. Là, il y a la boîte. Là. Vas-y. J'ai la boîte, tu confirmes? Oui. Oh, ils ont pas changé. Oh, trop bon. Oh, j'ai quoi? Des brécis. Attends, c'est à moi là. C'est quoi ça, brécis? Ah, c'est un pompe. J'ai allumé le courant, mec. Oh! Oh, fils de rat, c'était lui. C'est quoi? Oh, mais j'ai pas d'argent. Oh, j'ai envie de pleurer, Fufu. N'ouvre pas je là. Là normalement, on peut tenir ici longtemps. Et c'est... en cas d'urgence, on ouvre là derrière. Ok, donc vraiment en cas d'urgence. Ouais. Ah, parce qu'ici ils peuvent venir que de là-haut, c'est ça? Oh là là, mec, j'ai vu une arme défiler. Et peuvent venir que de là-haut. Bombe atomique. Oui, prends-la. Voilà, je tire quand même. Putain, j'ai zéro thune, la crise, les gars. Je veux ouvrir quelque chose. Oh putain, Masto. Oh là, mec, j'ai vu une arme défiler. Ah non, c'est pas Masto, pardon. Non, c'est, Masto, elle est en haut à droite, je sais où il est, Masto. C'est quoi, bleu? C'est pas tir rapide, rechargement? Le bleu, je sais pas du tout, c'est peut-être un nouveau. Réanimation, là, non, c'est réanimation. Ah oui, réanimation. Si tu veux Masto, je sais où il est. Par contre, ça fait vraiment plaisir de retrouver à l'ancienne. Fufu derrière. En plus, elle est belle la map. Hein. Non, oh non, j'ai envie de pleurer. Oh putain, ah, j'ai déconné, hein, j'ai été vraiment mauvais. Je viens vers vous, les gars, C'est bon, Lil Wayne me ressuscite là. Lil Wayne? Oui, il a arrêté de te ressusciter. Bon, d'accord, super. Par contre, c'est moi qui te ressuscite. Encore une fois. Merci, Fufu. Bon, j'ai qu'un ami ce soir, De toute façon, attends, hop, on va l'ouvrir. Ah, ce que tu vas voir. On va voir les armes qui défilent un peu. Oh là, il y a des armes. Oh là là! Oh mec, oh, j'ai cru que t'allais avoir l'arme en or. Tu l'as vu ou pas l'arme en or? Ouais, mais j'ai récupéré ma thune quand même. On va la chercher dans la boîte? Attends, bah pour la voir apparaître, on va voir le faisceau lumineux. Activer le piège, c'est quoi ça? Non. Hop, j'ai activé. Ça m'a coûté 1000 balles! Ouais, et ça donne pas de thune quand tu utilises zombie. Oh, dur, j'ai envie de chialer, gros. Et ne traverse pas. Ouais, c'est pas grave, ok. Ouais, c'est vrai qu'on peut résister suffisamment longtemps quand même ici.
Ouais. Les gars, laissez-moi un peu d'argent. Et derrière, parce que là, c'est derrière on peut tourner pas mal et tout. Donc, ça, c'est pas... C'est la mort du petit la cheval. La boîte a réapparu sur la gauche. Oh merde, elle est au fond. Ah ouais, dur, putain. Eh, mais on peut avoir les zombies d'ici, MDR. Tu savais ou pas qu'on pouvait tuer les zombies d'ici? De où? C'est où? De là? Bah de là, on les voit. Ah! Les urubis dans la mer, je sais pas ce qu'ils foutaient là-bas. Putain, mais il coûte la peau du cul ce piège. Ouais. Tellement dégoûté. Attention! Je ne veux pas qu'on prenne trop la gras. Wow, 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 j'ai du mal, je t'avouerai. Bon, on fait quoi? On fait le tour, les gars, vous ouvrez? J'irais bien acheter Masto, tu vois. Vas-y, 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 ouvre, ouvre. Non, je vais acheter Masto. Ah, vous voulez pas qu'on aille à la boîte? Tu ne bah, attends. Pas comprendre. Ah, mais les gars, on s'est séparés là, non? Ouais, bah oui, faut... de toute façon, c'est le même chemin. On va la se faire arracher. Hein. Oh, boîte à bonbons. Je prends, je m'en bats les couilles. Ça, c'est le bonus de 20 minutes, ça a pas changé de tout à l'heure. On a tous couru chercher Masto. Ah, stock option. Je ne fais ça que pour dure 3 minutes, les munitions sont retirées de vos réserves plutôt que de vos chargeurs. J'ai rien compris, super. Bah, ça dure... pratique. Merde, j'ai pris double coup comme un plot. What? Masto, il est pas là? Ok, les gars. Merde, j'ai acheté double coup au lieu de Masto. Vas-y, tu tombes à déception. Les gars, je vais crever. C'est plutôt agréable. Bon, c'est pas mal avec le pompe, MDR. Oh putain, mais les têtes, j'ai l'impression qu'il y a... Il est pas dégueu, le pompe, hein. Non, le... j'ai le bressis, là, il est sympa. Ah! Oh putain, je vais crever. Oh, je peux glisser quand même, c'est bon. C'est plutôt cool. Qui est mort, là? Oh putain, ils sont deux, gros. Tout le monde est mort. Attends, laisse ma grenade, laisse ma grenade. Par contre, là, on est bloqué, hein. Faut qu'on sorte de là. Ouais, je suis par terre. T'es par terre? Ouais. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. J'essaie d'envoyer un max de... Derrière moi, non! Oh non, dommage! Mais oui. Ok. Bon, ouais, c'est non, pas grave. On s'est dit, on s'est enfermé là, c'était oui, pas oui, bon. Mais c'est pas grave, c'était une découverte, on n'a pas survécu longtemps. Heureusement, de toute façon, sinon la vidéo aurait duré 2h30, frère. Bah, la, le prochain, je promets, durera 2h30. Ah, voilà. Et ben, tu sais quoi, on fera même peut-être ça en live avec des rediffs sur nos chaînes. Ah, ça serait bien en live, ouais. Des machines et avec des gens avec qui on peut parler, évidemment. Bloody, malheureusement, nous avait lâché dans les mains. Donc, merci à tous d'avoir regardé ces petites découvertes. Alors, au final, c'est la même carte que World at War, tu vois. C'est juste qu'il y a une histoire à chercher. Et puis, vous revenez aux surtout, origines. Et surtout, c'est vraiment sympa parce que cette map, ça restera la meilleure map qu'ils aient inventée de zombies. Quoi. Ouais, c'est une des meilleures. Moi, c'est pas la meilleure. Alors, moi, ça peut paraître con, mais pour moi, la meilleure... C'est la toute première dans la maison. Ah oui. Alors elle. Nach der Untoten. Nach der Untoten. Alors elle, c'était vraiment le feu. J'avais surkiffé. Mais bon, quoi qu'il arrive, on vous laissera essayer. Donc c'est The Giant pour l'avoir. Il faut avoir le Season Pass. Et puis. Après, qui sait, ça m'étonnerait pas qu'il refasse un pack pour avoir toutes ces maps-là. Oui, oui, pour avoir toutes les cartes zombies, évidemment. Hein. C'est Black Ops avant tout. Je vous fais d'incroyables bisous. Merci à tous d'avoir regardé toutes ces vidéos. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Ça fait très, très, très plaisir. Et je vous dis à très bientôt, tout simplement. Et je vous fais d'incroyables bisous. A plus tout le monde et merci à toi, Fufu. Eh, pas de soucis. Ciao, ciao. Tchou.